Vous êtes bien sur Théorème TV, restez connectés. Oyeb Soal, vous êtes bien dans la première émission de Théorème TV. Moi-même Euclide, plus connu sous le nom de Eddy Mafia, membre fondateur du collectif Netus Dikabral. Aujourd'hui, pour cette première émission, on a un rendez-vous très important avec Annie, membre de l'association Crianças de Hoje da Manhã. On va pas perdre de temps, on va y aller. Restez connectés. Yeah! Bonjour Annie, alors comment tu vas? Je vais bien, merci. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir et c'est un grand honneur pour moi de te recevoir dans cette première émission de Théorème, vraiment. Bah, moi aussi, je suis très contente d'être là et très surprise d'avoir été invitée. Donc on va découvrir ensemble cette émission puisque oui, je crois que c'est la première. Oui, exact, c'est la première. On a vraiment voulu rendre hommage à l'association Crianças de Hoje da Manhã. Donc avant tout, j'aimerais que tu te présentes toi, Annie. Qui es-tu, Annie? Et après, on parlera un peu de ton côté militante dans cette association. Alors, d'abord, je m'appelle Ana Maria Lacerda, mais je suis plus connue sous le nom d'Annie. Et donc, je suis venue en France, j'avais 5 ans, et j'ai toujours eu la nostalgie de mon pays, donc du Cap-Vert. Et très tôt, j'ai commencé à être dans la vie associative. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc un peu avant l'indépendance. Et c'est là que c'était un moyen pour moi de rencontrer la communauté capverdienne et de découvrir à travers tout ce qui faisait le Cap-Vert. Ah, ok, très bien. Voilà. Et donc, avant l'indépendance du Cap-Vert, tu faisais partie d'une association capverdienne, oui, qui se disait Cap-Verdien. De la première association capverdienne, je crois, qui a existé à Paris. Elle portait le même nom, c'était Crianças? Non, c'était Association de Solidarité Cap-Verdienne. Ok, très bien. Il y avait combien de membres à peu près? Moi, je me souviens plus très bien, mais je dirais une cinquantaine. Hein. Ah, okay. Une cinquantaine, c'était plus des personnes de l'âge de mes parents, quoi. C'était la première génération de Cap-Verdiens. Ok. Et c'était dans les années 60-70? 70, oui. Ok, 70. Ok, très bien. Donc Annie, justement, on va y venir, justement, à Crianças de Hoje da Manhã. Donc depuis combien d'années tu fais partie de cette association? Depuis le début, depuis le démarrage? Oui, je fais partie des membres fondateurs de l'association Crianças de Hoje da Manhã. En fait, on était un groupe d'amis, jeunes parents, et certains sont partis en vacances au Cap-Vert pour la première fois. Et à leur retour, ils ont eu envie de faire quelque chose pour le pays. Et quoi, on s'est dit que bon, ce qui nous rassemblait tous, c'était un peu les enfants qu'on était, les enfants qu'on venait d'avoir et nos petits-enfants. On a mis longtemps à trouver ce nom et ça nous semblait parlant, Crianças de Hoje da Manhã. Parce que ce qu'on espère, c'est que cette association ne s'arrêtera pas à nous, mais continuera. Ah, ok, très bien. Et si je ne me trompe pas, vous allez fêter les 23 ans de l'association Crianças, c'est bien ça? Oui, donc, cette année, le 8 novembre, ce sera les 23 ans de l'association. Ok, ben vraiment bravo, en tout cas je vous félicite pour tout ce travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais savoir, tu as répondu à cette question-là en partie, mais pourquoi cette direction envers les enfants? Pourquoi les enfants? Je crois, si je ne me trompe pas, que toi-même tu es éducatrice de jeunes enfants. Et est-ce que tu as été éducatrice avant ça, ou le fait de rentrer dans Crianças
t'a donné cette idée de devenir, d'exercer le métier d'éducatrice? Non, c'était avant ça. Ma profession n'a rien à voir avec l'association. Peut-être que ma sensibilité envers les enfants, c'est sûr que ça a amené quelque chose. Mais c'était une idée commune de faire des choses pour les enfants. Parce que, bon, au Cap-Vert, on sait qu'on a toujours eu des associations ou des groupes de personnes de Cap-Verdiens à l'étranger qui envoyaient des choses au Cap-Vert. Ma mère, par exemple, nous parlait des colis qu'elle recevait des États-Unis, de la famille des États-Unis, de la famille du Portugal, de la famille du Sénégal. Donc c'est quelque chose de courant. Le Cap-Vert a toujours reçu des colis de Cap-Verdiens de l'extérieur, comme on dit. Donc envoyer des colis, c'est une de vos actions. Peux-tu nous parler un peu des actions menées par l'association? Alors, nos actions, il y en a eu plusieurs. Des exemples? Tout d'abord, on a voulu un petit peu que toutes les îles soient représentées. Donc, on a voulu avoir des femmes. Pourquoi des femmes? Parce qu'on sait qu'au Cap-Vert, la femme, c'est un peu le chef de famille. Et puis ici, il existait pas mal d'associations, mais toujours dirigées par des hommes. Donc c'était aussi un petit clin d'œil à la femme, un petit hommage à la femme pour que ce soit une association avec une direction de femmes. Et donc il y avait deux femmes qui étaient représentantes de chaque île. Et ces femmes-là écrivaient à d'autres femmes au Cap-Vert pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce que c'est celles qui vivent là-bas qui sont le plus... qui connaissent un petit peu les réalités, les besoins... Et en plus, on avait besoin de ce lien avec elle pour créer une relation d'amitié. Parce que CRIAN, ce n'est pas simplement envoyer justement des colis. Tout d'abord, c'était un lien d'amitié entre femmes, entre familles et entre les enfants. C'était CRIAN, c'est un enfant capverdien ici en France qui se fait un ami au Cap-Vert. Donc c'est ça. Et ça, à travers différentes manifestations. Noël, c'était un enfant capverdien ici, ou un ami français, parce que c'est ouvert à tout le monde, c'est pas simplement aux capverdiens, nos manifestations. Donc un jeune capverdien, il va avec son petit copain français, et ensemble, ils emmènent un jouet pour un petit copain là-bas au Cap-Vert. Mmh. Et ce petit copain, l'idée, c'était que lui, même s'il lui envoie pas un autre jouet, mais il lui envoie un dessin. Exact. Donc Annie, comme tu sais, Théorème, donc on le présente comme un média panafricain, comme un média qui se dirige vers l'Afrique, vers le Cap-Vert, mais vers toute l'Afrique. Donc moi, ma question, j'aimerais savoir comment vous préparez ces enfants, puisque créer un CSDOG d'un manien, ça voudrait dire en français les enfants d'aujourd'hui et les enfants de demain. Donc les enfants d'aujourd'hui qui vont devenir ces adultes de demain. Absolument. Donc j'aimerais savoir comment vous préparez ces enfants, ou comment vous favorisez ce lien des enfants vers l'Afrique, comment vous alimentez un peu leur envie, leur passion, leur curiosité vers l'Afrique, vers le Cap-Vert et vers l'Afrique. Bon, en fait, je ne pense pas qu'on ait cette ambition-là, vraiment, de préparer les enfants vers l'Afrique. On a vraiment déjà l'ambition que les enfants se sentent bien dans le pays où ils sont, dans le pays d'accueil qu'est la France, puissent justement avoir envie d'inviter un petit copain français ou autre, montrer ce qu'est leur pays, le pays d'origine de leurs parents, donc à travers la musique, à travers la danse, à travers les dessins, à travers les droits des enfants, que souvent aussi les parents méconnaissent et qu'on essaye de faire découvrir. Connaître aussi le pays d'origine, le Cap-Vert. Quelquefois, les enfants ne savent pas que c'est une archipel. Découvrir l'histoire du Cap-Vert. Mais tu parles des enfants d'origine capverdienne nés en France? Ou des enfants... Les deux. Les deux. Les deux. Parce que je pense que pour qu'un enfant se sente bien dans le pays d'accueil, il faut qu'il puisse parler à son petit copain français de son pays d'origine. Donc, voilà. Parce que lui, il est là, il essaye de s'intégrer dans ce pays où il est né, où il est venu tout jeune. Et il a besoin aussi de partager avec ses copains d'école, avec son petit voisin, avec... voilà. Donc si je comprends bien, Annie, pour toi, il est important pour les enfants qui sont nés sur le territoire français et qui sont d'origine capverdienne, de connaître leur histoire, de connaître leur culture et de garder ce qu'on appelle la capverdianidad. Pour toi, c'est vraiment important. Pour vous, en tout cas, à CRIAN, ça, c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est essentiel. Parce que bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents et surtout une maman qui nous parlait toujours capverdien. Et c'est ça qui nous a bercés, cette langue maternelle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit la langue maternelle. C'est ce que nous transmet la mère. Et je pense qu'il est important, nous, capverdiens, de la transmettre à nos enfants. Parce qu'après, ils pourront parler toutes les langues étrangères, mais il leur manquera quelque chose s'ils ne l'ont pas. Et c'est ce qui nous relie. Parce qu'on peut aller au Cap-Vert, on peut aller aux États-Unis, on peut aller au Brésil.
Et en disant quelques mots en créole, parce que c'est un créole capverdien, hein. Bon, quelquefois on n'aime pas trop dire créole, donc on dit le capverdien. Mais... c'est le créole. Voilà, le créole. Mais c'est ce créole qui nous rassemble, qu'on puisse se comprendre entre nous, si on arrive des États-Unis en parlant anglais, de France en parlant français, mais on a quelques mots de créole et ça y est, on fait partie de la même famille, on est chez nous au Cap-Vert, pour voilà, pouvoir justement ne pas se sentir étranger dans son pays d'origine. Oui, c'est sûr. Donc Annie, justement, je voudrais revenir sur le défilé qu'il y a eu justement sur les Champs-Élysées pour le Carnaval tropical de Paris le mois de juillet dernier. Donc Créance était à l'honneur et le Cap-Vert a pu défiler, si je ne me trompe pas, pour la première fois sur les Champs-Élysées. Donc nous, l'équipe Théorème, on était présents, on a couvert l'événement et moi, en tant que Cap-Verdien, je peux te dire que vraiment, j'étais fier de voir le Cap-Vert défiler sur une des plus belles avenues du monde. Donc je tiens à vous féliciter, je tiens à dire bravo à l'équipe de Créance, bravo à vous. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet événement, l'organisation et ce que tu en penses, ce que tu en as gardé comme souvenir? Bien sûr, j'étais très fière, comme tous les Capverdiens qui étaient à l'intérieur du carnaval et à l'extérieur. Et d'abord, je tiens à remercier l'équipe de jeunes, parce que c'est ce qu'on est en train de préparer, c'est la relève de Créance, pour que les jeunes prennent cette association en main et qu'elle continue, qu'elle perdure. Et justement, ce carnaval est l'idée d'une jeune qui fait partie de notre relève, qui était là et qui a eu envie qu'on participe à ce carnaval tropical, que la plupart on ne connaissait pas, qu'on avait déjà vu ou entendu parler, mais bon, on ne pensait pas participer au carnaval tropical. Et c'est notre deuxième année où on participe, et franchement, pour nous c'était un peu magique, même si ça a été très compliqué à mettre en place. Et aussi je dis bravo à tous les participants, parce qu'il n'y avait pas que Créance, il y avait d'autres associations qui sont venues se joindre à nous, il y a eu des personnes qui sont venues se joindre à nous, ils ont vraiment cru en nous, en s'inscrivant en masse, et voilà, et c'est vrai que le Cap-Vert sur les Champs-Élysées, on n'a pas calculé l'ampleur que ça pouvait prendre, mais même au Cap-Vert, je pense que les gens sont contents, on a permis à ce que le Cap-Vert soit sur les champs. C'est sûr. Donc Annie, si tu le veux bien, on va regarder justement ce reportage, et on revient tout de suite. Okay. D'accord, on va tout de suite. Avec plaisir. Bonjour, je suis Milonica et c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour la première émission de Théorème. Alors aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2011 sur l'une des plus belles avenues du monde qui est les Champs-Élysées. Alors nous allons fêter la 10e édition du Carnaval tropical de Paris. Le Cap-Vert est présent pour la deuxième année consécutive avec la participation de l'association Créances de Hoje et Demain. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme ambiance derrière moi. Il y a des tambours, ça chante, ça danse, ça se prépare pour le grand défilé.
bonjour les filles. Bonjour. Alors, comment t'appelles-tu ? Sandrine. Et toi ? Yalène. D'accord. Alors Sandrine, quel âge as-tu ? 11. D'accord. Et toi ? 7 ans et demi. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de représenter votre pays aujourd'hui ? Une grande joie. D'accord. Mais encore, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Plein de choses. Comme quoi ? Par exemple, qu'on peut découvrir tous les pays qui viennent. D'accord. Dans ce carnaval. Et que les pays qu'on ne connaît pas et qu'on peut les connaître. Ça fait du bien, au moins on représente notre pays et on est fiers de le représenter. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Ouais. Toujours. Ah, c'est très bien. Qu'est-ce que ça représente en fait le carnaval ? Qu'est-ce que c'est pour vous le carnaval ? On fait tout ce qu'on veut, on ressent la joie, la bonne humeur et voilà. D'accord. C'est votre premier défilé ? Non, le deuxième. D'accord. Le deuxième, c'est ça ? Oui, c'est le deuxième. Cette année, c'est mieux. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui ? Oui. Énormément. Ah, oui. D'accord, très bien. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment vous appelez-vous ? Marcos. D'accord, Marco, quel âge as-tu ? Moi, j'ai 24 ans. D'accord. Est-ce que vous êtes venu tout seul ? Non, avec mes frères, avec mes amis, on est tous là. Voilà. D'accord. On est sorti le Cap Vert. Ça fait vraiment bien encore. Cap Vert, c'est vraiment chaud. J'aime bien mon pays, tu vois. C'est la tradition aussi, c'est vrai, ouais. À Saint-Vincent, j'étais là, je jouais les carnavals tous les années, tu vois. Bon. J'aime bien, tu vois. Au Cap Vert, donc, il y a le grand carnaval. Ah, c'est ça. Principalement à Saint-Vincent, l'île de Saint-Vincent, tu vois. Et on fait les carnavals, c'est le mieux, tu vois, du Cap Vert, on peut dire, tu vois. D'accord. Très bien. Merci. Ok, Fatima, et qu'est-ce qui te représente aujourd'hui de faire partie de quel mouvement tu es? Ele te representa um dia importante para mim, porque a mim é um daqueles que chamam de dizer que carnaval é que fazemos bem para a França. Então, para mim, ele é uma gente a dizer um dia muito sábio para mim. Anhos de onde? Bom, nós é de várias ilhas, São Vicente, Santo Antão, Praia. Isso é uma comunidade. Ah, sim, certo. Cosé que nous t'offre rien qui cabine hoje assiste quel mouvement ali? Acho que bem hoje espero de tio coisa. Acho que nem sabe. Ok. Mas pronto, não tem limpa este, porque acho que cabe. Obrigado. Obrigado, Fátima. Oui, bonjour, comment vous appelez-vous? Ilson. D'accord, Ilson. Quel âge avez-vous? 29. D'accord. Alors, est-ce que je vois que vous avez un instrument de musique? Est-ce que vous pouvez nous jouer quelque chose? Quelque chose, alors, tu fais... Hop. Yes. Très bien. Donc alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ce défilé? C'est la première fois que je le fais, je viens de Marseille, spécialement pour le carnaval tropical. Je ne connais pas d'ailleurs, donc je vais le découvrir aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ouais. Comment vous appelez-vous? Fabio. D'accord, Fabio, quel âge avez-vous? 19 ans. D'accord, très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça représente pour vous de représenter le Cap-Vert? Ah, j'ai pas de mots pour expliquer ça, madame, parce que c'est tellement... Je sais pas, je suis heureux, je suis en France, là, je représente mon pays, Cap-Vert. Et voilà, j'ai pas de mots pour dire. Alors oui, bonjour, vous êtes musicien? Oui. D'accord, qu'est-ce que vous allez jouer aujourd'hui? Je sais pas comment on appelle ça en français, mais en tout cas, c'est pour faire... D'accord, très bien. Je sais pas jouer un peu, pour mettre un peu d'ambiance, quoi. C'est très bien. Êtes-vous fier de représenter le Cap-Vert aujourd'hui? Bien sûr. C'est une chance et on est tout fiers de représenter notre drapeau, quoi.
Donc Annie, on vient de voir ce petit reportage sur le carnaval tropical de Paris. Qu'en penses-tu? Ah bah écoute, bravo et merci. Parce que moi je viens de le découvrir et c'est très bien. Ça fait chaud au cœur. Et puis toutes ces interventions et en plus d'avoir interviewé les enfants, j'ai trouvé ça super. Ce naturel qu'ils ont de répondre aux questions. Et voilà, c'est ça le message de Créance. Hein. Ouais, donc ça. Je pense que vous avez bien compris. Et ce qui donnait chaud au cœur, c'est de voir que toutes les générations étaient représentées. Parce que le carnaval au Cap-Vert, c'est ça, c'est tout le monde, c'est la famille. Hein. C'est les grands-parents, les jeunes, les enfants, tout le monde est là. Okay. Donc je vois en fait qu'une de vos missions chez Créance, c'est de garder ce lien avec le Cap-Vert. Mais comment expliques-tu que en général, dans sa généralité, les Cap-Verdiens et la communauté cap-verdienne quand même a toujours cette fierté et a toujours cette envie de revendiquer le Cap-Vert et le côté cap-verdien? Comment expliques-tu ça? Oui, c'est vrai que les Cap-Verdiens, on est très chauvins, ça, il faut qu'on le dise. Mais bon, peut-être parce que notre pays est tellement petit, on a peur d'être oublié, je pense. Hein, parce que moi, par exemple, qui suis une jeune issue de l'immigration, quand je suis venue en France, le Cap-Vert ne figurait pas sur les cartes géographiques. Et souvent, c'était un problème pour moi, quand on allait envoyer un colis au Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'est où? Et donc, notre mission, c'est aussi de faire connaître le Cap-Vert. Et je pense que c'est ça qui nous donne cette fierté de revendiquer ces petits grains de sable, comme dirait Césaria. Ouais, exact. Parce que sur la carte, on est vraiment des grains de sable. Ouais, exact. Et je tenais aussi à remercier la mairie de Paris, et j'espère que ce carnaval tropical continuera. Moi, ça m'a permis de voir Monsieur Bertrand Delanoë, qui exact, est mon patron, était présent. Parce que je travaille pour la mairie de Paris. Okay. Et puis un clin d'œil aussi à Hermano Sanchez, qui est un conseiller de la mairie de Paris, et qui est surtout autour de la lusophonie. Donc, grâce à lui aussi, on essaye de s'intégrer dans les différentes manifestations qui parlent de la lusophonie, du portugais, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'on est un pays lusophone, et que pour nos enfants, même si ça fait partie, quelquefois, une partie douloureuse de notre histoire, mais il est important de connaître le portugais. Ça nous aide aussi, et quand on va au Cap-Vert, bah, il faut connaître ce portugais qui est la langue officielle jusqu'à aujourd'hui. Okay. Par contre, nous, chez Théorème, on a fait un acte un peu militant dans le sens où on a voulu traduire, on a fait le choix de traduire cette émission en créole et pas en portugais. Parce que aussi le Premier ministre Zé Maria Neve, en septembre dernier, si je ne me trompe pas, pour la première fois, a utilisé la langue créole, le créole, à l'ONU. Donc, je pense que, le portugais est la langue officielle du Cap-Vert, mais c'est le créole qui est parlé tous les jours, qui est parlé quand même par les habitants du Cap-Vert. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il faut... Bon, peut-être que tu as raison, que les jeunes cap-verdiens doivent apprendre le portugais, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il faut peut-être plus intensifier le fait d'apprendre le créole, ses origines cap-verdiennes et le lien avec l'Afrique, que plutôt l'héritage colonial? En tout cas, moi, c'est ma vision. Moi, je pense que justement, pour dépasser cet héritage colonial, il faut apprendre le portugais. Mais comme je l'ai déjà dit, le créole, c'est la langue maternelle. Donc, on est nourri par le créole. Bien sûr, c'est comme si tu me disais, est-ce qu'il faut boire ou manger? Oui, il faut boire et manger. Donc, je pense que c'est important d'apprendre cette langue maternelle pour pouvoir se sentir dans son pays d'origine, pouvoir parler avec les gens, etc. Mais le portugais, c'est un plus dans la culture. C'est un plus pour tout ce qui est les autres pays. Et je pense qu'apprendre une langue étrangère, c'est toujours un plus. Et le portugais, c'est notre histoire. Ouais. Et justement, il faut apprendre aussi à nos jeunes. On parlait de la transmission. Il faut aussi voir que le Portugal, en même temps que le Cap-Vert, c'est un peu libéré. On ne va pas rentrer sur ce contexte-là. Mais bon, on fait partie aussi de cette histoire. Et l'histoire, il faut apprendre à la connaître pour pouvoir justement l'intégrer. Enfin, ça, c'est ma... C'est ce que je pense. Et c'est important pour nos générations, pour nos enfants et nos petits-enfants. Comment aujourd'hui mettre en avant cet héritage, ce que j'appelle cet héritage colonial, et ne pas faire le choix de plutôt mettre en avant nos origines africaines et notre héritage de l'Afrique? Moi, je pense que c'est deux choses différentes. Je pense que oui, c'est un héritage colonial, c'est un l'esclavage, c'est quelque chose qui a existé, donc il ne faut pas le renier,
faut essayer justement de l'expliquer aux enfants. Mais de toute façon, après, notre métissage, il vient d'un acte quand même, donner naissance, même si c'est un acte forcé, mais donner une naissance, c'est un acte d'amour. Donc de toute façon, on sait qu'on vient de là. Qu'on ait eu des parents ou des grands-parents portugais, anglais, français, chinois. Voilà, c'est un métissage, comme le métissage antillais, comme tous les métissages. Mais en même temps, on est toujours fiers, justement, notre fierté, c'est de dire le métissage, c'est ce qui fait les plus beaux enfants du monde. Oui, c'est sûr, mais est-ce que cela ne risque pas d'enjoliver un peu ce côté-là, le métissage, c'est beau, alors qu'on sait que l'histoire, que dans l'histoire, ça n'a pas été si beau. Est-ce que c'est pas un peu écarter justement ces peuples, comme les Capverdiens, les Antillais ou autres, ou les Afro-Américains, qui sont issus de ce métissage-là? Est-ce que c'est pas les écarter de l'Afrique que de mettre en avant ou de glorifier ce métissage? Non, je pense que c'est pas ça, c'est pas glorifier... L'esclavage, on sait que ça existait, on s'est battu pour en sortir. Et justement, le fait que les enfants sachent leur histoire, leur origine, ça leur permet d'être plus forts. Mais on ne peut pas renier que dans nos veines, comme on dit, hein, y a du sang africain, mais il y a du sang blanc aussi, quelle que soit l'origine. L'important, c'est de connaître la vérité et de connaître son histoire. Après, on est fort pour pouvoir justement s'assumer. Et toi, Annie, justement, bon, comme on sait, aujourd'hui, les Noirs, souvent, on est différenciés entre les Noirs, les moins Noirs, la peau claire, la peau sombre, la peau foncée. Donc toi qui... moi, je suis Capverdien, originaire, mes parents sont originaires de l'île de Santiago, l'île la plus africaine. Donc je suis un peu plus noir que toi, qui est d'origine de quelle île? San Vicente. De San Vicente, où peut-être vous avez subi plus le métissage avec la peau plus claire. Est-ce que tu te considères comme noire, comme blanche, comme métisse? Où te positionnes-tu? Moi, je me considère comme noire. Moi, justement, pour moi, il n'y a pas noir, marron, chocolat. Non, c'est noir, blanc. Et en même temps, c'est même pas noir, blanc, c'est des continents. Donc, je pense que non, il faut dépasser tout ça. Est-ce que tu te considères comme africaine? Moi, je me considère comme africaine. Et justement, on en revient à l'association. On essaye de faire aussi de travailler aussi avec des associations africaines. On participe à un collectif d'associations africaines qui organise la journée de l'enfant africain, qui est le 16 juin. Et pour justement apprendre aussi à connaître d'autres associations, d'autres pays d'Afrique, et à pouvoir avoir ce travail, ce même travail de solidarité, pas simplement vers le Cap-Vert, mais vers tous les pays d'Afrique. Mais simplement, quelquefois, les parents n'osent pas dire. Parce que quand l'histoire fait peur, on n'ose pas, on peut pas la transmettre. Oui, exactement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de nos origines. Elles sont là, c'était comme ça. Voilà. Et maintenant, il faut espérer que plus jamais, ça ne arrivera. Parce que justement, on est trop traumatisés, les Capverdiens. Ouais, on n'en parle pas. C'est vrai que les Capverdiens sont traumatisés, on n'ose pas en parler. Et c'est vrai que les Capverdiens, on aime la légèreté. Aujourd'hui, dans nos musiques, dans notre danse, dans tout ce qu'on peut regarder sur Internet, on est avec le Cap-Vert. Au Cap-Vert même, à la télévision, on aime tout ce qui est léger. L'histoire, on préfère la mettre de côté, car comme tu disais tout à l'heure, elle est douloureuse. Bah, bien sûr. Ça fait mal. Ouais. Mais cette légèreté, peut-être que ça nous plonge dans l'amnésie. Et est-ce que ce n'est pas dangereux pour nos enfants, justement, de pas connaître son histoire, de pas savoir d'où on vient? Si, je pense que c'est dangereux quand les enfants ne connaissent pas l'histoire, ça c'est clair. Mais c'est à nous, parents, et c'est à vous, les jeunes, de continuer, justement, et de transmettre cette histoire. La transmettre maintenant, à chaque âge, on a une forme de transmission. Nous, en ce qui concerne la petite enfance, tout doit se faire par le jeu. Et les enfants, ils sont capables de tout comprendre. Mais c'est vrai aussi que pour toucher les jeunes, il faut utiliser des médias justement qui attirent et qui facilitent en tout cas l'accès aux jeunes. Et nous, si tu veux, à Théorème, on a fait le choix pour la musique officielle de l'émission, d'écrire un morceau, de l'enregistrer et de faire une vidéo aussi. Et ce titre, je vais te le dire, c'est Conscience à Nègre. Conscience à Nègre, donc conscience noire, dans le sens où comme je te le disais tout à l'heure, il est important pour nous, Capverdiens ou autres, de garder ça en nous, de garder cette conscience. Parce que aujourd'hui, en vivant dans
dans les pays occidentaux, en vivant par exemple en France, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter si un jeune veut trouver du travail, si un jeune veut être embauché tout simplement, il est obligé de s'adapter. Et parfois, il est obligé de quitter un peu sa tradition, quitter ses valeurs pour pouvoir être embauché. Ce qui est pour moi est dommage. C'est très dommage qu'aujourd'hui, l'Africain tel qu'il est dans sa tradition, dans ses cultures, ne soit pas accepté en France, ne soit pas accepté en tout cas dans les instances, dans l'administration ou autre, ou dans tous les postes à responsabilité. Donc il est, pour moi, en tout cas, il est obligé un peu de quitter ça pour un peu ce que beaucoup utilisent le mot d'assimilation, de s'assimiler, de ressembler un peu aux gens qui sont à ces postes-là et de quitter un peu sa culture et ses valeurs. Donc pour moi, ce morceau-là, Conscience à Nègre, c'est un peu ce retour aux valeurs, de se dire à l'intérieur de moi, je garde cette conscience-là, je garde cette notion que je suis noir et je suis africain, je suis un africain descendant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette vidéo-là, tu vas pouvoir regarder cette vidéo-là et écouter aussi le titre et après tu nous en diras ce que tu en penses. D'accord. Ok, Annie, on est ensemble ? On est ensemble. Ok, à tout de suite, Anne. Irmãos, no tem que reage e age. Militantes, no labanta e no saqueiro, para melhorar a situação de nosso povo. Vídeo esclavo em mim, vídeo preto em mim, esclavatura de apoder a terra treme. Meu corpo escuro é julgado como um crime. Carta de paz que se ainda nunca cicatriza. Independência no cadar, flas menos que toma. Nos partidos de liberdade, flas menos que forma. Creio é culpa de ser menino de herói de tempo. Minha filho preto é capa mori. Hoje nunca tem nenhum barrado que nunca fica atrasado. Por onde eu fechar, vem a filão mori que não te orienta naquela terra ali. Está mostrando todo o tempo uma amiga de li. Situação que troca, que tem diferença. Bem flancando de nós, fica pra tua consciência. Nós é diferente, filho esclavo em mim. Nós é filho preto, neta milk em mim. Barco branco, parcela longe, cruz na bento, bandeira alto. É bem vazio, é da volta pisado. Carga na porão, bem desesperado. Pretos grita, rijo, percebe. Manos, raça, nunca catamore. Caminho de mar, mancha de sangue. Oceano Atlântico, cemitérios de negros. Nunca luta de povo, catapara. Espanha, filho de Guiné, Angola e tudo, costa de África. Povos inteiros folhado na Cabo Verde, Brasil e América. Esmara no pé, marra no mó. Chicote lanhado, um corpo febo. Esta culpa, esta tiro. Esclavo da morte sem culpa. Mas nunca luta de negro, capara. Não. Caminho seguro, caminho guerreiro, caminho de lume. Caminho de escravo, caminho de morte. Caminho guerreiro, caminho de vida. Caminho de escravo, caminho seguro. Caminho guerreiro, caminho de lume. Caminho de escravo, caminho de morte. Caminho guerreiro, caminho de vida. Caminho de escravo, caminho seguro. Caminho guerreiro, caminho de lume. Caminho de escravo, caminho de morte. Caminho guerreiro, caminho de vida. Matado com maldade. Aquele que ca fugi, ca volta, que esquira volta, matado. Aquele que ca fugi, nunca mais ca volta, que esquira volta, matado com maldade. Aquele que ca fugi, ca volta, que esquira volta, matado. Caminho de escravo, caminho seguro, caminho guerreiro, caminho de lume. Caminho de escravo, caminho de morte, caminho guerreiro, caminho de vida. Caminho de escravo, caminho seguro, caminho guerreiro, caminho de lume. Caminho de escravo, caminho de morte, caminho guerreiro, caminho de vida. Caminho de vida.
Donc Annie, tu viens de découvrir ce titre Conciencia Negra. Bon, comme tu peux le voir, il y a quand même des images choc, mais c'est vraiment la réalité. Par exemple, les images du début, c'est ce qui s'est passé à La Courneuve récemment. On voit des images de l'esclavage, bon, même si c'est un film, mais ce sont vraiment des choses qui se sont passées. Donc qu'en penses-tu? Tu peux m'en dire quelques mots sur ce que tu viens de voir? Non, moi, c'est sûr qu'il y avait des images chocs, et je pense que c'est bien de les montrer, c'est bien de les avoir filmées, et il faut justement, c'est les montrer aux jeunes. Parce que l'histoire, il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus qu'elle nous empêche d'avancer. Parce que quel que soit l'endroit où on vit, d'abord, c'est le respect du pays. Hein? Et s'intégrer, c'est respecter d'abord le pays d'accueil. Donc, c'est faire en sorte de comprendre aussi la culture, parce que si on veut qu'on comprenne notre culture, nos origines, il faut que nous aussi on accepte celle des gens qui nous accueillent dans leur pays. Voilà, moi je suis venue en France, je pense qu'il a fallu que je m'intègre, que je comprenne, que j'apprenne la langue, que j'apprenne à l'écrire, et en même temps que je revendique d'où je viens. Mais quand on est enfant, on peut pas faire les deux choses en même temps. Donc d'abord, on essaye d'apprendre. Voilà. Et c'est un message pour tous les jeunes. Ce qui est le plus important, c'est l'éducation. Et je crois que nous, au Cap-Vert, on l'a bien compris, car tous les enfants vont à l'école. Hein. Donc d'abord, l'éducation. Par contre, nous, nos enfants issus de l'immigration, de la deuxième génération au troisième, quelquefois, on a du mal à leur donner ce mot-clé qui est l'éducation d'abord. Parce que quand on a une éducation, une formation, qu'on sait ce qu'on veut faire dans la vie, eh ben, on peut justement franchir toutes les portes. Quelles que soient nos origines. Je suis d'accord. Parce qu'à travers le dialogue, à travers sa culture, à travers les mots, on peut faire passer plein de choses. Sûrement pas à travers la violence. Même si elle a existé, même si on s'est battu pour que tout ça, ça s'arrête, mais ça s'est arrêté. Elle existe différemment, on continue de se battre tous les jours. Hein, c'est clair que dans le métro, partout. Mais bon, en apprenant à parler la langue du pays d'accueil, eh ben, tu réponds, tu parles. Ouais, je suis d'accord avec toi, puisque nous, on revendique toujours ce côté combattant, en répétant souvent que la lutte n'est pas finie, que la lutte continue. Je suis d'accord avec toi dans le sens aujourd'hui, la lutte est différente. Elle passe par l'éducation, elle passe par le savoir. On est d'accord dans le sens où c'est le message qu'il faut faire passer aux jeunes. Ils doivent être des guerriers, mais qu'aujourd'hui, la lutte, c'est une lutte de savoir, c'est une lutte de connaissance, c'est une lutte de formation, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et qu'aujourd'hui, les Cap-Verdiens et les Africains, en général, peuvent se lever et être des hommes fiers et gouverner aussi leur pays. Pour que le peuple aussi, pour que les Africains qui sont sur le continent africain peuvent s'émanciper. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, bien sûr. Mais il faut surtout d'abord le respect. Parce que ce n'est pas parce qu'on est africain ou parce qu'on est français qu'on a tout est permis. Donc quel que soit l'endroit, il faut d'abord respecter les gens. Moi je vois en tant que parent, moi j'ai deux enfants, un qui s'appelle Johan, un qui s'appelle Mehdi. Être capverdien s'appelait Mehdi. Et ça fait beaucoup de choses. Pourquoi ce choix de prénom? Pourquoi ce choix de prénom? Parce que je trouvais que c'était très joli comme prénom, Mehdi. Mais en même temps, je me suis aperçue que c'est très difficile des fois de porter certains prénoms. Mais bon, il faut être fier de son prénom. Ton prénom, c'est ses parents qui l'ont choisi. Donc c'est un acte aussi d'amour. Donc après, quel que soit le prénom ou le nom que tu as, il faut le revendiquer. Et non pas qu'il y ait toute une histoire derrière, non. Maintenant, à lui de montrer qu'on peut s'appeler Mehdi, être quelqu'un de respectueux, plus. Hein, il n'y a pas de. C'est vrai, je suis d'accord. Voilà, on ne peut pas tous s'appeler Albert ou Jean-François. Voilà. On peut aussi s'appeler Mehdi, Mohamed, Amilcar. Le choix des prénoms des parents, c'est vraiment libre. Et donc, il ne faut pas cataloguer. Mais en même temps, c'est à nos enfants d'avoir cette force intérieure pour pouvoir l'exprimer. Et la retransmettre. Voilà. Et c'est sûrement pas. C'est avec les paroles qu'on peut parler. Donc il faut que les enfants parlent. Nos enfants issus de l'immigration, ils savent qu'on a un travail en plus. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Mes parents disaient qu'on devait toujours donner encore plus. Puisqu'on avait deux choses à faire. On devait apprendre le français, pays d'accueil, apprendre le créole pour pouvoir parler au Cap-Vert, connaître notre culture et assimiler celle de là où on vit. Donc ça fait double travail. Mais en même temps, on est fiers,
on est fier après de pouvoir faire des anecdotes, machin. C'est une fierté qu'on dit d'avoir cette double culture. Okay. Et ce respect des deux cultures. Moi, je pense que s'il y avait du respect des deux côtés, il y aurait beaucoup moins de violence. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, Annie, vraiment, je te remercie sincèrement pour ce témoignage. On sent vraiment que c'est un témoignage sincère. On sent vraiment que c'est toi qui parles, que ça te tient vraiment, que ces réflexions-là, ces sujets-là te tiennent vraiment à cœur. En tout cas, je te remercie au nom de toute l'équipe Théorème. Je vais te laisser 2 minutes pour t'adresser à tous ceux qui nous regardent, pour passer ton message. Au nom de Criança, peut-être. En tout cas, je te laisse la parole. Ben, mon message, c'est qu'on soit tous ensemble, parce que je pense que la communauté capverdienne, on a besoin de se rassembler. Je sais qu'il y a énormément d'associations, mais essayons de nous rassembler, de faire des choses qui représentent vraiment notre communauté, comme on a pu faire là ces 2 dernières années à travers le Noël des enfants. Le Noël, c'est pour tous les enfants, le carnaval tropical. Essayons de faire connaître justement la force de notre communauté. Il ne suffit pas de dire « je suis capverdien, je suis fier d'être capverdien ». Il faut aussi pouvoir parler de notre pays et voir ce qu'on peut faire pour notre pays, mais d'abord s'intégrer aussi dans le pays d'accueil. C'est vrai. D'accord, bravo. Là, on a été accueillis justement dans le restaurant Moussa l'Africain, qui est un restaurant africain sur Paris. Que penses-tu du cadre? C'est sympa quand même. Moi, je trouve ça magique. Et en rentrant, je me suis dit « ouais, super, on pourrait faire les goûters pour les personnes âgées ». Parce que nous, c'est aussi une des actions qu'on fait au niveau de Créance. C'est les enfants, mais c'est aussi les personnes âgées. Parce que c'est nos parents qui nous ont emmenés en France. Et souvent, ils ne peuvent pas tous repartir à la retraite au Cap-Vert. Donc, on doit aussi continuer à leur apporter un peu de culture, à leur permettre de se retrouver. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de maintenir. C'est au moins un goûter par trimestre où les fils emmènent leur maman, les filles, leur papa. Et prendre un petit goûter, pouvoir danser, pouvoir les servir et leur donner vraiment un après-midi pour eux. Et ce cadre est magique, donc j'espère qu'on pourra, en partenariat avec la restauration, organiser des choses ensemble. Parce que souvent, c'est les lieux qui nous manquent. Les lieux et les bénévoles, parce que bon, ça aussi, c'est un message, hein, que tous les jeunes qui ont envie de venir nous rejoindre, jeunes et moins jeunes, parce que Criança, c'est ce qu'on en fait. C'est les projets que les uns et les autres, on apporte. Criança, il n'y a pas de... C'est ouvert à tout le monde. Et chacun avec ses envies, sa bonne volonté, c'est tout ce qu'on a à donner, et son temps. Okay, très et bien. Partager le plaisir d'être ensemble. Okay. En tout cas, bravo à toi Annie, bravo à toute l'équipe de Criança. Je te remercie une nouvelle fois au nom de toute l'équipe Théorème. Je t'ai apporté un petit cadeau. Wow. Voilà, c'est pour toi Annie. Justement, cette émission, on l'a dédiée... à Aristide Pereira, qui était le premier président du Cap-Vert, un homme qui a beaucoup fait pour le Cap-Vert et pour l'Afrique. Donc on lui rend hommage, on lui dédie. C'est un cadeau de circonstance, quoi. Oui, donc je suis très fière, je te remercie beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités et j'espère que j'ai pu transmettre le message de Criança. J'étais très fière de pouvoir représenter cette association et on espère vous accueillir régulièrement dans les manifestations. Avec plaisir, hein, vraiment. Avec voilà, plaisir. Parce que c'est tous ensemble qu'on peut avancer. Comme disait Cabral, unidad y luta. Unidad y luta. Et le message de Cabral aussi à travers Crian, c'était un autre slogan, c'est les enfants sont les fleurs de la révolution. Donc voilà, on est tous un peu branchés Cabral. Hein. C'est sûr. Merci beaucoup, Annie. Voilà, merci à toi. Hey yo, pessoal. On arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On était dans une des plus belles villes du monde, Paris. Restez branchés pour la suite sur le site www.theorem-tv.com ou laissez vos commentaires sur le mail inscrit ci-dessous. À bientôt. Yeah. Eso con una historia por eso que monos así. Aleluya, ya, ya, ya. Mayaos que llora escritura sagrada que mostra el camino para todo ser bendecido. Eso con una historia por eso que monos así. Aleluya, ya, ya, ya. Mas Deus que jura a escritura sagrada que mostra o caminho para tudo ser bem te seguir.
nós tudo tem que viver na paz e compreensão com o companheiro. Vídeo escravo em mim, vídeo preto em mim, esclavatura de apodera, terra treme. Meu corpo puro é julgado como crime. Cada depois que se ainda nunca cicatriza. Independência no cadáver, flas menos que toma. Nos partidos de liberdade, flas menos que forma. Crê é culpa de ser menino de herói de tempo. Minha filho preto é capa mori. Hoje nunca tem nenhum barrado que nunca fica atrasado por ódio fechar. Bem flam mori que nunca orienta naquela terra ali. Está mostrando todo o tempo uma amiga de li. Situação que troca, que tem diferença. Bem flam canto de nós fica pra tua consciência. Nós é diferente, filho esclavo em mim. Nós é filho preto, neta milk em mim. Barco branco, parcela longe, cruz na bento, bandeira alto, é bem vazio, é da volta pisado, carga na porão, bem desesperado. Pretos grita, rixo, percebe, manos, raça, nunca catamore. Caminho de mar, mancha de sangue, oceano Atlântico, cemitérios de negros. Nunca luta de povo, catapara, Espanha, filho de Guiné, Angola e tudo, costa de África, povos inteiros, folhado na Cabo Verde, Brasil e América. Esmara no pé, marra no mó, chicote lanhado, um corpo febo, está com pó, está a tiro. Esclavo da morte sem culpa, mas nunca luta de negro capara. Caminho, guerreiro, caminho de lume. Caminho de esclavo, caminho de morte. Caminho, guerreiro, caminho de vida. Caminho de esclavo, caminho seguro. Caminho, guerreiro, caminho de lume. Caminho de esclavo, caminho de morte. Caminho, guerreiro, caminho de vida. Caminho, socorro, caminho, guerreiro, caminho de luz.